Salut à toutes et à tous, mon nom est Texar, j'espère que vous allez tous très bien les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau react sur du Sonic.exe, certes, mais pas n'importe lequel, puisque nous allons réagir à Sonic.exe 2, qui bien sûr n'est pas Sally.exe, ni Sonic 2.exe avec Zalgo, mais vous allez voir tout ça. Donc je propose qu'on commence le react dès maintenant. Allez, c'est parti, let's go. There's a little bit of context for the video. Ah oui, j'ai oublié de rajouter les sous-titres automatiques. Parce que oui, c'est pas traduit. Hein. Et chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que cette vidéo est publiée par Joe Doughboy, le créateur de Sonic PC Port et de Lord X. Donc voilà. Alors bien sûr, je vais pas traduire en mettant des sous-titres ou un truc comme ça parce que j'ai un petit peu la flemme. Enfin, pas qu'un petit peu. Mais je vais quand même essayer de vous expliquer les choses. Donc bon. Ouais. Cette histoire a été en fait publiée en 2012. Enfin, je crois, ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est ça. Sonic.exe 2 est officiel et a été écrite par le créateur original de Sonic.exe, c'est-à-dire Jesse The Yenner. Je sais pas si je prononce bien, mais bon. Ouais, et ça dit que ça a été retiré et que ça a été republié plus tard. Ouais, ça dit bien que ça a été reuploadé. Genre quelques années plus tard, enfin environ une dizaine d'années. Et je tiens à faire une parenthèse, beaucoup d'informations et beaucoup d'histoires ont été supprimées par rapport à Sonic.exe. Pour certaines sources, on n'a pas vraiment de réponse sur leur disparition. Et pour d'autres, c'est pour la simple et bonne raison que Jesse a supprimé ses comptes dû à son drama. Car oui, il y a quelques années, il a été dénoncé comme prédateur sexuel. Mais bon, j'en parlerai un jour plus en détail dans une autre vidéo. Enfin, pas que pour ça, mais ce sera un petit peu trop long à vous expliquer, et surtout parce que j'essaierai de faire les choses bien. Mais bon, revenons à la vidéo. Pardon, vu que ça c'est un disclaimer, bah, je suppose qu'on peut passer. Et oui, Sonic.exe 2, vu que c'est la suite de Sonic.exe, enfin, l'histoire qu'on connaît avec Tom et Kyle, bah, on peut considérer que c'est canon. Enfin, ça l'est, je crois. Mais bon, on va passer à l'histoire. Allez, c'est parti. Ok. Allow me to introduce myself before I go blabbing away. My name is Crystal. I live with my mom and dad, and I'm a serious Sonic the Hedgehog fan. All my friends are too. J'ai peut-être déjà lu ça, genre quelque part sur un wiki. I want to get this out of the way. Ça me dit pas grand-chose. Enfin, je sais plus, j'ai dû le lire quelque part, mais bon, je sais plus. Enfin, de toute façon, j'ai envie de vous dire que les histoires de Jesse et tout le reste, c'est hyper long. Donc bon, je vous invite à aller voir ça de votre côté, mais vraiment, c'est très très long. J'ai lu certaines parties, mais vraiment, j'ai pas tout lu. Donc je saurais pas trop vous dire comme avis là-dessus, mais bon, je suis pas là pour ça. The police reported. Attends, ça dit quoi? But a little confused too. Ah, ça parle de Tom. The police reported that he committed suicide. D'accord, ça dit que en fait que Tom il a été retrouvé mort et que la police aurait signalé qu'il aurait mis fin à ses jours. D'accord. First, Kyle disappears. Ah, c'est plus que bizarre. Goes and kills himself. I found that attends quoi? D'accord, ok. En fait, genre Kyle, il se serait... non, il se serait pas tué. Genre, il a disparu. Ouais, c'est ça, il a disparu. Et Tom aurait mis fin à ses jours dans cette histoire. Si je dis pas de bêtises, ouais. C'est ça. Ok, ok. A CD case for computers. On the CDR disc, ah ouais, quel CD? With black marker writing, spelling sonic.exe. Now, ouais, ça parle du CD fan, où c'est écrit au marqueur Sonic.exe. Ouais. So I asked Tom's dad if I could have it. He said ouais, yes. C'est pas étonnant. But not before attends. Look, ouais, said, genre yes, la personne a demandé à son père, enfin Crystal, a demandé si pouvait, enfin s'il pouvait ou elle pouvait avoir le CD. So I went and donc du coup, il a dit oui, ok. I looked at the disc for a while. It certainly looked like an ordinary CD. Donc bon, j'imagine qu'il va le mettre sur son ordinateur. Enfin, oui, c'est évident. And stuff, and then started. Ok, il a mis le CD dans son PC, il a installé et puis voilà. First Sonic the Hedgehog game appeared on my screen. I was like, "Oh yeah, I love this game." And press start right away. Bon, ça dit que c'est tombé sur Sonic point, enfin Sonic sur l'écran titre de Sonic et que tout a commencé à changer avec les yeux qui devenaient noirs, ouais c'est ça. Ouais, ça dit des détails sur Sonic, genre qu'il a des yeux noirs, et avec des pupilles rouges et qui saigne des yeux, ouais. Enfin, qui pleure du sang. Enfin, bref. It didn't look like coup, ah ouais, any other ouais, background ça ressemble à l'écran de sélection de Sonic 3, mais sauf que à la place, il y a juste Silver, Blaze et Sally de ce qu'on voit. Ouais. N'empêche, c'est bizarre. Enfin, pour cette histoire-là, dans le sens où Silver,
Blaze et Sally soient des persos jouables en version Genesis, enfin Mega Drive plutôt. Alors que pour Blaze et Silver, eux, on les voit plus dans des jeux 3D, de ce que je sache. Et Sally, elle fait plus partie des dessins animés, normalement. Enfin, ouais, c'est ça. Silver, donc bon. Blaze, Sally, Mighty. Bon. Ah oui, en plus, il n'y a pas que ça. Il y a aussi Amy. Ouais, c'est plus la Amy moderne que classique. Ok. Il y a aussi Mighty. Après, je sais pas si c'est les seuls personnages, mais on verra ça. I tried picking Blaze, Mighty, and Amy next, and that also didn't work. Ok. It was then il a essayé de ces personnages, enfin, qui? I tried picking Blaze, Mighty, and Amy, et ça n'a pas marché. Enfin, il a essayé de les sélectionner, je suppose, mais ça n'a pas marché. Starting with Silver. So I went ahead and selected him. Ouais. When the screen donc du coup, il n'y a que Silver qui marche again, en premier. I heard ce qui est logique, je suppose. Ouais, l'écran est devenu noir. J'ai entendu le rire de Kafka de Final Fantasy. Okay. Et l'écran est devenu noir pendant quelques secondes. Enfin, ouais, c'est ça. Enfin, oui, il sait pas, il est devenu noir pendant 7 ou 10 secondes. And then it showed the level title screen. Which oddly read et là, il atterrit dans un niveau qui se nomme Traphead. At this point, I was rather weirded out. Ça, au début, quand j'ai vu cette image sur Twitter, je pensais que ça venait d'un fin de game ou un truc comme ça, mais non. Et bref, passons. The level I was in looked a lot là, ça like donne Green des détails Hill sur, Zone, le, enfin, sur le niveau, je veux dire, pardon. The environment looked dark, decrepit. Ouais, il précise bien que l'environnement the music that was a l'air playing sombre. Sounded like the haunted house theme from Super Mario World. Et il y a un thème de Super Mario World qui est joué en fond, ce qui est bizarre. Enfin, après, il y a plein de thèmes de différents jeux vidéo qui ne concernent pas seulement Sonic. Donc bon, c'est pas étonnant. Enfin, jeux vidéo et autres, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que ça. Mais bon. Là, ça précise bien qu'il n'y avait pas d'ennemis ni d'obstacles. Et que c'était then, entièrement vide. Ouais. Began, when Silver stopped running, ok. Saw why. Et il croise la route de Sonic.z. Ok. A few feet away from him was Sonic, who had black ouais, eyes with small red dots in them. Ouais, parce qu'il ne sait pas Silver, son nom, enfin. Who was clearly frightened at the sight of the blue hedgehog for some reason. The music was no longer playing and everything was now quiet. Then red static flickered, and then it showed black screen. This oula. Time with a message. Écran est devenu noir. I'm so glad. Je suis si, si heureux de jouer avec toi. Pardon. And then the red static brought back the game. And this time, Sonic is smiling at Silver, who's so scared, tears Silver are running down pleurer. His face. Très bien. Blood was running down. Je saurais pas dire qu'est-ce qui nous fait pleurer, enfin. Est-ce que c'est plus le visage de Sonic qui le fait pleurer? Ou bien... Attends, ça dit quoi? Et si je prenais de l'avance, ou bien si... Attends, ou alors si je donnais une longueur d'avance... Attends, mais c'est-à-dire dans le sens où tu le laisses échapper, ou... C'est quoi, en fait? If so, what did he mean by head start? Anyway, bah, même moi, je sais pas où est-ce qu'il veut en venir par rapport à ça. Sonic did an odd little animation. It looked like he was stepping aside and let Silver continue on with the level. Okay. Still smiling. Là, franchement, je vois pas Silver, qu'est-ce qu'il va en venir par rapport shot, à ça. J'imagine qu'à un moment, il va le poursuivre. Looking at me and acting like he doesn't want to continue on with the level. Et vous savez ce qui me plaît dans tout ça? C'est que la façon dont il raconte l'histoire, ça me rappelle moi mais des années en arrière, quand j'étais spectateur et que je regardais beaucoup de vidéos en français de Creepypasta et ainsi de suite. Ah parce que des histoires comme ça, j'en ai regardé beaucoup hein. Pour citer quelques exemples, par exemple j'avais regardé des vidéos de Motor. Pour certains ça leur dira rien mais c'est un youtubeur Creepypasta. Enfin c'était. Je crois qu'il y avait aussi Pourquoi avoir peur, de même pour Neptunio. Ouais je crois que c'est ça hein. Attends. Ouais parce que je pense que pour les plus jeunes, Neptunio, vous le connaissez à peu près comme ça. Avec ces vidéos là. Mais moi avant, je l'ai connu avec ça, cette vidéo. Celle de Hi Hey. Et aussi le coma de Sacha. Et je sais pas, voir cette vidéo là, ça me remplit un petit peu de joie et de nostalgie par rapport à ce que j'ai regardé avant. Ah oui, c'était par rapport à ça, ok. Ouais, ça dit qu'il y a le rire de Kafka et que... Quelle musique... Attends, c'était quelle musique, ça dit? Des notes? Ouais, ça devait pas être la musique genre de noyade de Sonic. Très bien, je pensais que ça aurait été ça, mais non. And I was just panicking, and he also had the most deranged smile on his face, as if he was intent on killing Silver. Ça donne des détails par rapport à Sonic et ainsi de suite. Bon,
En soi, à l'écran, vous l'avez compris. Et puis, si jamais il y a des choses que vous comprenez pas, je vous invite à aller voir cette vidéo de votre côté. Ah, parce que pour moi, c'est un petit peu compliqué de vous expliquer les choses et de plus ou moins vous traduire. Mais bon, j'explique comme je peux. Alors, ça dit, je n'ai rien contre Silver. Ouais, mais pourquoi tu te portes alors? Sauf pour l'imbécile qu'il est, ou plutôt, sauf pour sa stupidité. Ah ouais? Attends, quoi, ça dit? Attends, quoi? Et j'ai entendu Dumbass. Attends, j'ai pas halluciné? Ah ouais, le dumbass. Oh, aucun respect. Veux-tu réessayer? Ah bah si c'est pour se faire insulter, non. I non, clairement pas. Thoughts about Sonic killing Silver, but I didn't really believe those thoughts. Ah, parce qu'il a tué Silver. Ah oui, il a attrapé Silver, j'avais pas vu, pardon. Ok, donc ouais, je comprends. Ouais, vraiment, c'est chaud quoi. Enfin, dommage qu'on n'a pas vu d'image. Oh, on n'a pas vu d'image, mais par contre, l'image de Silver, au niveau de sa mort, oh, c'est vraiment bien détaillé. Bon, certes dégoûtant, mais super bien. Et quand tu vois ça, ça donne pas vraiment envie. Enfin, si, ça donne envie. Mais bon. Donc bon, ça va passer à Blaze, j'imagine. Ouais. Pour moi, c'est bien avec ce genre de jeu parce qu'il y a beaucoup plus de personnages jouables que l'opus précédent. Enfin bref. Ouais, là, ça donne des détails par rapport à son visage. Attends. Ouais, il donne des détails par rapport à son visage, donc bon. Rien d'étonnant. Si, c'est quand même étonnant, mais bon. En tout cas, son sprite, il est... Waouh, il est super bien fait. Et j'ai hâte de voir la gueule de Blaze. Did I feel a knot in my gut when I saw Silver like that? I rubbed any tears out of my eyes after that and tried to continue with the game. So I went and picked Blaze next. Mais n'empêche, franchement, c'est cool que ça ait été republié genre sur un wiki, enfin ouais. As a screen fades to black. Bah franchement, c'est cool. The level title this time was called Empty. Pour ce genre de vidéo, c'est plus forcément le truc que je regarderai tous les jours, mais je suis vraiment content qu'on me rappelle cette nostalgie que j'ai vécue à l'époque, comme certains d'entre vous, j'imagine. And the music that was playing was odd. Night Zone. It sounded like ah, parce que a really c'est un casino, low ça beeping oui, sound oui. That goes ah, oui, c'est vrai que ça ressemble à un casino. Enfin, Blaze was doing an animation as if she had no idea what was going on. She too broke the fourth wall. Ouais. Looked, tu m'étonnes qu'elle a pas l'air de savoir ce qui se passe. Wall, ouais. Like she wasn't sure that she wanted to continue. Enfin bref. I was starting to feel the same enfin, quand même, feeling son sprite she à Blaze was, elle est vraiment like it, bien. But I had enfin, to continue. C'est bien. As I had Blaze trek through the creepy casino area, I noticed that it also had a macabre. Mais moi, franchement, j'aimerais trop jouer un jeu comme ça. Enfin, il y a des fan games comme ça et j'ai vu qu'il y avait une page Game Jolt par rapport à ce jeu. Enfin, j'imagine que ce sera un fan game. Enfin, moi, sur Game Jolt, j'ai vu ça. Zarma, la personne dit, vu que je m'ennuie, je vais faire une adaptation de Sonic.exe2 en version 2012. Après, qui sait, il y a peut-être pas que lui qui a ce projet, mais bon, à voir ce que ça donne. Enfin, en tout cas, le décor avec ce Sonic posé là, enfin, cette tête là qui nous regarde, vraiment, je trouve ça fascinant. Enfin, fascinant et à la fois pas flippant, mais vraiment très bien détaillé. Ouais. After going around in platforms, elevators, traps, and other stuff, Blaze started running on a flat road. The music had stopped playing. It was then I started feeling a really ugly pang of suspense growing in my gut. Blaze clearly looked nervous too. And then suddenly, Blaze n'est pas forcément à l'aise face à la situation. And Sonic appeared in a puff of looking at Blaze, who looked just plain mortified. The black screen popped up again with another message. Il y a encore un écran noir. Et clumsy or just being stupid. Je ne sais pas si tu es maladroite ou bien si tu es stupide. J'ai envie de dire maladroite par rapport à quoi? Le chemin il est linéaire. Donc qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse à part aller de gauche à droite? Forcément, il y a quoi de stupide là-dedans? C'est logique. C'est un jeu vidéo 2D. The black screen changed back to the game again. Et Blaze is in what appears to be. OK, Blaze se trouve face à des miroirs. Nowhere to be found. And some freaking et music, like an 8-bit piano, banging dit, frantically, was playing. What was this? Boss fight? No, didn't feel like it. In mais, fact, et la personne se demande si c'est un boss, boss battles at all. Et ça n'a pas anyways, l'air. Enfin, Sonic ouais. Appeared in one of the mirrors, smiling. So I had Blaze destroy the mirror. Il apparaît dans des miroirs. Enfin, il y a plusieurs reflets de lui. Sonic then appeared in another mirror, avec le rire de Kafka. Like a goddamn Joker. Had Blaze destroy that too. Blaze pète les miroirs. To laugh again. Mm-hmm. Sonic was practically driving après, je sais pas si ça va changer grand-chose, mais bon. Yes.
Je pense que ce genre de phase, ça pourrait être intéressant. Ah bon, intéressant, après, je sais pas. Mais ouais, ça pourrait être sympa. Mais bon, j'imagine que si Job Duboy fait une adaptation de cette histoire, ça pourrait être encore meilleur. Enfin bon, une adaptation en jeu vidéo, bien sûr. Et vraiment, ouais, moi, je pense que ça pourrait être très intéressant. Suddenly, et du coup, Blaze fell to the floor tired. This had to be a cutscene, okay, ouais, no matter which button I pressed, nothing happened. Ce qui est normal, non? Anyway, Sonic reappeared the same way he did earlier, and Blaze looked up at him, looking exhausted and rather scared. I too was looking at Sonic with fear and spite. Elle a l'air d'être effrayée. Don't get me wrong, I still like Sonic. Attends quoi? Fear and spite. Ah, okay. Wrong isn't the Sonic I know. No, this guy. Anyway, the screen went to red static again. Écran devient rouge et un autre message apparaît. Je ne me lasse jamais de faire de ce que je fais le mieux. The screen went to black and this time Sonic's gone again. Blaze was alone. Ah d'accord, je pensais qu'on est passé sur l'écran titre. Blaze made started floating in midair and then fly around her in a circle. Ok, parce que je me demandais comment ça se fait qu'elle est pas morte ou un truc comme ça. En fait, tu veux savoir quelque chose d'hilarant? And then the shards form a huge mouth-like grin. C'est le verre des miroirs with Blaze and breaking the fourth qui wall forme des the dents. Circle looking dumbfounded. Enfin, ouais, de ce que je vois. Keeps me up at night. Et ça dit quoi? Et Zarma, ça m'empêche de dormir et de faire de ce que je fais le mieux. Enfin, ouais. The glass shards flew into Blaze, and as they did, et du coup? The screen went black with a loud screeching noise. Ah. This one was much louder. I had to plug my ears and pain from it. On peut imaginer le bail, mais bon. Ouais. J'imagine comment elle a dû mourir face à ça. Oula. Blaze was just like Silver. She was no longer in her save file. Instead, ah ouais, la tête de Blaze. In the TV screen, ah, c'est trop. The file. And she too was in such a tête, je te jure. Her fur had darkened and was messy. Eh ben, j'imagine pas pour Sally, et ni même pour le reste. Ouais, et sa tête, elle est plus ou moins similaire à celle de Silver. Enfin, ouais, c'est plus ou moins genre le même massacre. Mais bon, et attends, ça dit, j'ai presque envie de vomir. Si vraiment avant, le truc le plus choquant que j'aurais vu, c'est ça, peut-être que oui. Mais de ce que j'ai vu auparavant et de ce que je vois aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses atroces que j'ai vues et surtout entendues qui me donnent encore plus envie de vomir que ça. Mais bon, quand je vois ce genre de truc, je me dis, oh, ça va. Bon, encore à l'époque, quand il y avait Sonic Punk Z, surtout pour le jeu vidéo, c'était... Enfin, les morts, elles étaient pas tant détaillées que ça, enfin, si, pour certaines scènes, mais disons qu'à l'époque, c'était pas aussi détaillé qu'aujourd'hui, c'est ça ce que je veux dire en fait. Je vais y aller mollo cette fois-ci, petit vénard. Ah ouais, il sait se montrer gentil quand il veut. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est plutôt sympa. Enfin, sympa quand il veut. Hein. Quand ça l'arrange, enfin, quand ça l'arrange. Non, il y a en soi aucun moment où ça l'arrange ou ça l'arrange pas. Tous les moments l'arrangent. Mais bon, bref, là, ça passe à Sally, ok. Madness. La folie. Ok. When the level started, I saw that Sally ah, c'est Woodzone, ça? Enfin, Woodzone. Woodzone, un petit peu genre hardcore, avec du sang et ainsi de suite. Donc ouais. Ok, là ça donne pas vraiment envie en voyant ce niveau. Quand je vois ça, je me dis que ouais, c'est chaud. I honestly didn't know what to do here. But I had Sally running. I didn't want to continue playing, but something was quand tu vois ça, tu sais pas trop qu'est-ce que tu fous là quoi. Running. Moi perso, je serais Sally, je serais vite parti hein. Moi, j'aurais même pas cherché à avancer plus loin ni quoi que ce soit, non. Sally jump on platforms. Et du coup, attends. Non, c'était pas Woodzone? Ah si, il y a une partie où c'est Woodzone, mais attends. OK. Ça doit être Woodzone mais avec une partie où il y a des tuyaux et ainsi de suite, OK. Donc ouais, j'imagine que Woodzone enfin ce niveau est un mix entre Woodzone et un niveau côté usine. Enfin, I was just je crois. Out and worried what may happen to Sally. C'est bizarre, mais but I still kept her going. Mais en tout cas, j'aimais les décors. I was more worried by the increasing lack of enemies in this game. Like it's trying to tell me that the only bad guy in it was Sonic. Ouais. Because so far, he's done something right. Ah, en soi, il me semble pas qu'on ait vu un ennemi de tout le jeu. Donc ouais, ça rend le truc angoissant. Enfin, pas pour Sonic, mais pour un jeu d'horreur, tu m'as compris. Enfin, pas pour Sonic, ça dépend des jeux, mais bon. En général, Sonic.z, bon, avec les clichés et ainsi de suite, ça peut être limite cringe. Enfin bref. Mess with my head.
Why? Pourquoi ça parle de ça? Frère, mais quand tu vois ça, comment un jeu pareil ça peut te rendre psychologiquement instable? Ou alors ça peut avoir un impact sur ta psychologie? Comment? Expliquez-moi. En fait, ce qui me fait derrière, c'est juste en fait que la façon dont c'est raconté, on dirait que c'est trop près au sérieux alors que moi ça me fait rigoler perso. C'est ça qui me tue en fait. Et quand je lis genre ce que ça raconte, enfin, genre le perso qui raconte cette histoire, franchement, enfin, je parle pas de Job Do Boy, hein, je parle de la narration originale. Franchement, ça me fait rire, ça. Vraiment, ça me fait rire. Et bon, je t'avoue que quand ça parle de psychologie ou un truc comme ça, je me dis, frère, pas à nous. Pas à nous, frère. Mais bon, la façon dont il raconte cette histoire, ça me termine. Je sais pas pourquoi. Ok. Et genre, celle-là, elle a sauté dans... Ok, elle a sauté dans le vide. C'est bien. Accidentellement, bien sûr. Ok. Screen went to red static yet again. Ah, and I almost jumped out of my seat. Then came yet another message. You look a bit run down. Tu as l'air un peu délabré, ok. Pourquoi ne pas prendre une petite pause tant que tu peux? What the fuck? Attends, what? Comment ça? Did the game just tell me to take a break from it? Ah, ça parlait directement au joueur, ok. Je pensais que ça parlait à Sally, mais non. After I had lunch, I went back to my computer and I saw that a chat popped up. What freaked me out more was that the chat Il y a une personne sur WhatsApp, enfin ouais, ça doit être WhatsApp, je sais pas. Enfin bref, par SMS ou bref, peu importe. Une personne qui se nomme Sally, genre a créé un groupe. Ah ouais, ça doit être WhatsApp, je sais pas. Donc elle parle avec une soi-disant Sally sur WhatsApp. Here's how the chat went. Hi. OK. Hi. Ouais, je le doublage. Salut, I'm sorry for what Sonic's doing. Je suis désolé pour ce que Sonic... Attends, j'essaie de mettre les sous-titres en haut. Je suis désolé pour ce que Sonic He's a fait. Really a nice guy. C'est vraiment un mec gentil. Nice. Un mec gentil. Il a une drôle, il a une drôle de façon de le montrer. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, quoi. Ils ont besoin de ton aide. Ils parlent de qui, genre? Mon aide. Ils veulent sortir. Out? Sortir? What do you mean? Qu'est-ce que tu veux dire? Play the game a bit play more. The game. Joue au jeu, genre, un petit peu plus et je t'expliquerai. I'll explain. D'accord. After genre, Sally left the chat. Sally a quitté le groupe. Ok. C'est bizarre. What did she mean about Sonic wanting... le truc comme ça, ça me tue. Ça n'a pas de rapport, mais la façon dont ça parle, enfin, même si c'est pas comparable et que ça n'a pas de rapport, ça me fait trop penser au Momo Challenge. Vous savez, avec les vidéos YouTube où ça prétendait avoir parlé avec Momo, l'espèce de marionnette flippante là, mais bon, je pense que bah, vous en rappelez, hein. Enfin, pour ceux qui ont vu ça à l'époque. Et si c'est pas le cas, bah démerdez-vous, hein, je suis pas votre mère. This level was creepy in a sense that I didn't even know. But I pressed on. Elle croise Sonic. I had Sally continue through the bizarre level. Ouais. After on voit la gentillesse à travers son regard. Ouais. Level, on se dit que c'est vraiment un gars gentil. N'importe quoi. Je te jure. T'as pas encore trouvé la solution. And then came that la solution à quoi? I was brought back où est-ce qu'il va venir? Ah ça. Wesh, le regard. Eh hey, mais le sourire, ça n'a rien à voir avec Sally.z avec genre ses yeux qui ont été fermés avec de la ficelle ou je ne sais quoi. Elle fait flipper tard les fois avec son sourire. She was still unpleasant to look at. Eh, ouais. Oui, Sonic c'est pas un mauvais gars. Ah ouais, bien sûr. En fait, Sally, je pense qu'elle doit aimer les bad boys, hein. Ouais, je pense que c'est ça. Les méchants garçons, comme on dit. Mais bon, mesdames, dites-vous que les méchants garçons, ils ont rien dans le cerveau. Ils ont des problèmes dans leur tête. Mais bon, ils ont rien à gagner. Rien. Mais la seule chose qu'ils vont gagner, c'est la porte des enfers. Mais bref, faites pas attention, ils sont pas intéressants. Mais ça par contre, c'est intéressant. Je parle de la vidéo bien sûr, bande de malades. Non mais voyons, vous croyez que ça m'intéresse? Enfin oui, c'est intéressant au niveau des détails, mais ça m'intéresse pas de base. Enfin bref. D'accord, il y a un nouveau chat. Avec des conversations. Alors, ça dit de quoi j'ai l'air? Quoi? J'ai dit de quoi j'ai l'air. Tu as l'air de beaucoup souffrir. Ce n'est pas le pire qu'il ait pu faire. Ou un truc comme ça. Tu devrais voir Tails. What's his beef? Why is Sonic doing that? Ah oui, mais bon, Sally, sérieusement, arrête avec ce Sonic. C'est un fucking bad boy, tu comprends? Alors, c'est quoi le problème? Pourquoi Sonic lui a fait ça? Il s'ennuie, il est coincé dans le jeu depuis si longtemps. Et c'est une raison? Non, mais c'est quoi cette raison débile? Enfin, cette excuse. C'est comme si moi je disais, oh, je m'ennuie. Oh, j'ai une idée de fou. Et si pour passer le temps, j'allais kidnapper mon pote, le séquestrer chez moi et lui péter ses genoux? Et personne m'empêchera de le faire souffrir. Personne. Ce n'est pas par ennui qu'on peut blesser des gens. Ouais, j'avoue, bah vraiment, c'est débile. Il dit qu'il arrêterait de blesser des gens si tu le laisses sortir. Le laisse sortir, mais comment veux-tu qu'il le sorte de ce jeu? C'est débile. Comme si j'étais censé croire ça. Ouais, la tête. Tu préfères qu'il continue à te faire du mal? Il ne me fera rien. Ne dis pas ça.
Ne dis pas ça, tu vas te faire karma, mais comme jamais, pas encore. What? What? You better decide soon. Ouais, genre elle a dit, tu ferais mieux de prendre ta décision, genre plus tard, ou un truc comme ça. Il déteste attendre. What, la menace de fou? Non mais c'est... Oh. I had no idea what she ah meant. Ouais, mais déjà comment ça se fait que Sally peut rentrer facilement en communication avec, avec cet homme, enfin avec cette personne, je veux dire. In the dream, non, parce que là, c'est... Quoi? Ah d'accord, il a fait une pause. In the dream, I was strapped to a chair, and I felt a painful numbness in my head. Whoa. I could see Sonic with blackened and bleeding eyes and wide attends, c'est quoi ce qui tient dans les mains? C'est une perceuse? Something to my head. He laughed. Quelque chose à... Oh non, 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 non. Grind doing something to my head. Non, mais avec cette perceuse, j'imagine tout genre... Ah, les trucs dégueulasses qui peuvent arriver. Tu t'es décidé de bientôt m'aider, Crystal. C'est une question ça, j'imagine. Ouais. Oh, oh, punaise. Putain, en plus, c'est la première fois que je vois, genre, un Xe, enfin, ce Sonic-là, tenir une perceuse. Enfin, ouais, il a dit, car je peux voir dans la tête des gens, des trucs, enfin, bref. Je vais pas détailler le reste, mais bon, déjà ça. What, c'est quoi ça? Oh, le cri. Eh, ça a pu me surprendre, mais non, ça va. He then dug his hand into my head, started pulling my brain, looking at me with that horrid grin. Oh non, 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 non. Oh non. Don't keep me waiting. It was when he tore my brain out, when I woke up in a cold, frightened sweat. Oh non, 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 non. Bon, autant au niveau de Silver, le reste, un truc comme ça, ok, ça va, mais là, au niveau des détails, enfin, surtout pour un humain, really ou humaine, là, c'est répugnant, je te jure. Enfin, it quand je vois les détails écrits par rapport à ça, c'est... Wow, je te jure, c'est répugnant. Opening up ça a l'air d'être répugnant. Chat again. Du coup, hi. Sally parle encore. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Ton petit copain, genre, m'a fait peur. Yeah. Ouais, il le fait parfois. Ah ouais, sérieux? Je t'ai dit qu'il détestait attendre. Ah ouais, comment il se fait menacer par les fous. Ah pardon, j'ai oublié de mettre les sous-titres en haut. Genre, ça dit quoi? Ouais, Zarma, ça dit, arrête de raconter de la merde, ton petit copain est maléfique. Il n'est pas maléfique, il est juste, enfin, c'est juste qu'il s'ennuie, il veut sortir. Donc quoi, en fait, il veut lui mettre un coup de pression pour qu'il sorte du jeu. Ah ouais, après, je sais pas de quelle manière il va s'y prendre, mais bon. Alors, tu continues de dire qu'il veut sortir du jeu, mais comment je suis censé, genre, comment je suis censé quoi? Comment je suis censé sortir un personnage de jeu vidéo d'un petit disque de jeu? Ouais, en gros, c'est ça, quoi. C'est possible, si tu entres dans le jeu, tu peux en sortir? Hein? Mais c'est pas logique ce que tu me dis. Ah, peut-être qu'elle disait ça dans le sens où tu peux genre partir de ce châtiment. Tu suggères que je devrais être un hacker? Je ne sais pas, il semble que ce soit plus facile. Comment ça peut être plus facile en fait? Ça se peut, il y a une procédure de malade, t'as casa des papels. Mais après, dans cette histoire, comment c'est possible? Oublie, je ne suis pas un hacker, je ne sais même pas comment ce jeu a été créé. Tu préfères finir comme tes amis Tom et Kyle? Oh, la menace de ouf. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Wow. Ah là, c'est un petit thé chez lui. Juste trouve un moyen de le sortir et il te laissera tranquille. C'est aussi simple que ça. Ok. Bah oui, enfin, oui. En soi, je sais pas, mais bon. Non, attends, comment tu connais Tom et Kyle? Qu'est-ce que Sonic leur a fait? Sally a quitté le groupe. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Bah après, c'est logique, elle connaît Tom et Kyle. Sonic connaît leur existence, donc bon, c'est pas étonnant que Sally connaît aussi leur existence. And for what? Because he's bored and wants to be let out? I didn't know what to do. But I couldn't take it anymore. Mais c'est pas quoi faire. I didn't do. Ça m'étonne que genre Sonic s'est attaqué à eux parce qu'il s'ennuyait. Donc ouais, c'est vrai que de ce côté-là, enfin... Rien que la raison quand j'ai vu ça, juste parce qu'il s'ennuyait, c'est certes une histoire, mais je trouve la raison vraiment débile. Ouais, c'est sûr que c'est pas du Nightmare Universe, ni même du Spirit of Hell. Ouais, c'est pas pareil. Enfin, en termes de raison, je parle. En termes de raison. I plugged the CD to a device. I plugged the device to my hard drive, which connected the information of the game into the net. Okay. Là, du coup, il va chercher plus d'informations sur le jeu. Anyway, after a while, I did a few stuff on my computer and the game. I'm not gonna get into detail on how I hacked the game. And eventually, after like, I managed to get Sonic out of the game into the internet. That's what he meant. Ah, parce que vraiment, il compte vraiment le faire sortir. Ah ouais.
Mais s'il le fait sortir, ce sera encore pire. Why the fuck did I do that? The next day after I hacked the game. Si tu fais pas ça, en soi, il te tue. Enfin, de toute façon, même si genre Sonic devait s'en sortir, enfin, même s'il devait sortir du jeu, ce sera encore pire en fait. Sally. Donc, bon. Ah, il se parle encore. Hi. Salut. Sally. Oh, salut. What the hell's going on? Salut. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as dit que si je laissais Sonic sortir, il me laisserait tranquille. But now I feel like I did. Ouais, like je l'ai fait, ok, ça dit quoi? Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il est n'importe où dans ma maison. Et j'ai... Attends, quoi? Je n'ai pas quitté ma chambre pendant des heures. Ok. Ah ouais, attends, quoi? Je lui ai dit de te laisser tranquille, mais Zarma, je n'ai pas dit qu'il te laisserait seul en vie. Oh, punaise. Ah ouais, mais... Ça veut dire que... Tu es choqué? En plus, elle ose dire ça. Non, mais... Oui, je suis choqué. Bon. En plus, elle dit bon, c'est... Pourquoi est-ce que tu me mens, sale... Bon, je vais pas dire la suite, vous avez compris. Sonic m'a aussi demandé. Tu as dit qu'il était... qu'il s'était ennuyé, quoi. Blablabla, et il était... Il en avait assez de faire venir les gens ici, à chaque fois, sans rien faire. Zarma, genre, quand t'invites quelqu'un, selon sa logique, tu dois lui faire quelque chose. Non mais Starfall, et vous imaginez, franchement, quelqu'un vous dire ça, irréel? Genre, je m'ennuie, je dois lui faire forcément quelque chose? Eh mais moi, si ça m'arrive, je me barre. Game? Là, tu veux dire, dans le jeu? Oui, tu l'as laissé dans Internet. Ah ouais, d'accord. Maintenant, il est n'importe où, et il peut faire ce qu'il veut. Quoi? Le what qu'il a dit? Attends. Oh, le what, il était violent. Oh, il était violent, wesh. Ah ouais, elle se fout de sa gueule. Tu ne pensais pas que le jeu était sa prison, n'est-ce pas? Non, c'est sa maison, et maintenant, il est n'importe où. Cela signifie qu'il peut être partout aussi. C'est ta prison, c'est la prison de tous ceux qui ont rencontré mon maître. Wow. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça me paraît logique. Même Tom et Kyle? Ah oui. Et bientôt, tu vas les rejoindre parce que Sonic est libre. Ah ouais, Sonic est libre, et bientôt, le monde va être sien. Toi. Oh punaise. J'ai été prisonnière aussi, mais Sonic il est gentil avec moi. Il ministra toutes sortes de plaisirs en l'aidant à planifier sa liberté. Ah ouais, d'accord. Et Zarma, Sally c'est devenu michto. Ah ouais, aucune dignité celle-là. Enfin, cette Sally-là. Tu as peur? Bah oui, ça veut tout dire. Si tu l'es, bah psartek. Sonic préfère que ses jouets soient effrayés. C'est yo, on se voit en enfer. Ah ouais. Eh hey, mais vraiment, Sally, c'est vraiment une j'ai failli dire un truc, mais non. Non. Attends, ça dit quoi? Le PC s'est éteint de lui-même. Après... Je ne pouvais pas y croire. Enfin, pas croire que Sonic était un démon. Un démon qui pouvait contrôler la réalité. Et là, vraiment, il est dans la merde. Il est dans une merde infâme. He will invade your computer now and drag you into his nightmare realm, which is now spewing out of control into our world now. Sonic is the devil himself. And Sally. Ah bah c'est sûr que là, pour la Terre, c'est vraiment un danger. À aucun moment c'est crédible, un truc pareil. Sonic est partout, et il peut être n'importe où dans ma maison. Bah oui. Ah là c'est sûr que c'est la merde. Enfin, pour lui, c'est la merde. Pour moi, dans ce cas-là, je pourrais pas dormir. I know he's right behind me. Anyone who's reading this, run! Just fucking run! Sonic's coming to get you. He's coming for all of us. En tout cas, je trouve que c'est bien. Just run! Sonic's coming! Sonic is the devil. Sonic arrive. The very embodiment of evil. He's coming et to get plus, you. Et en plus, il dit à d'autres personnes. Stop! Run! 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 Mais personne va le croire dans ce cas-là. Le jeu d'acteur, par contre, il est incroyable. La façon dont il interprète le personnage, vraiment, c'est incroyable. Oh. Bonjour tout le monde, voulez-vous jouer avec moi? Bah attendez, je vais remettre. Et cette fois-ci, je coupe pas. Voulez-vous jouer avec moi? Plush doll. C'est peluche. Ah ouais. Et du coup? And that... Is ça se termine everything. Comme ça? Enfin non. God, I fucking hate JC's writing so damn much. Jesus fucking Christ. Oh.
Oh punaise. Ah, ça se termine. Ah, ok. Enfin, ça se termine. C'est terminé, je veux dire. Ok, bah franchement, c'était bien sympa. Enfin, sympa au niveau de sa narration. Bon, en tout cas, j'ai passé un bon moment. Ouais, franchement, c'était sympa. Bon, en tout cas, pour vous, j'espère que vous avez passé un bon moment. Enfin, que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire comme je peux pour vous expliquer les choses. Donc, j'espère pour vous que ça a été compréhensible. Et pour ceux qui n'ont rien compris, bah, démerdez-vous. Non, je rigole. Regardez cette vidéo de votre côté. Mais bon, de toute façon, je mets la chaîne du créateur... Enfin, du créateur. Oui, du créateur de cette vidéo. La chaîne du créateur et la vidéo d'origine en description. Donc, n'hésitez pas. Bref, nous, en tout cas, on va s'arrêter là. Bon, si la vidéo t'a plu, tu likes, tu commentes, tu partages et tu t'abonnes. Tu peux me rejoindre sur les réseaux. Je te mets tout ça dans la description de cette vidéo. Et en tout cas, moi, sur ce, je vous laisse. Je vous dis porte-vous bien. À la prochaine, tout le monde. C'était Texar. Et ciao!